Hello les copains! Hello les copines! Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez super bien. Qu'est-ce que je viens vous dire aujourd'hui? Regardez, j'ai mis mes belles boucles d'oreilles. Qu'est-ce que je viens vous dire aujourd'hui? Eh bien, je voulais vous montrer la fin de mes achats, enfin de nos achats, parce que c'est un achat groupé. Avec les copines de l'asso que j'ai fait donc chez Noz il y a 2 jours maintenant. Je le ferai peut-être demain, j'en sais rien. J'avais pas envie aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer, avant de ranger en fait, j'avais envie de vous montrer mes derniers achats, mes derniers petits achats que j'ai fait sur Ali, sachant que je ne suis pas une grande... Oh là, j'ai les lunettes sales! Sachant que je ne suis pas une grande, comment dire, une grande consommatrice. C'est pas que je veux dire que je suis pas une grande consommatrice, mais comment? J'achète pas depuis très très longtemps donc chez Ali. Ça doit faire donc 1 an. J'ai commencé. Voilà. Il va falloir que je trouve quelque chose pour nettoyer mes lunettes. J'ai commencé l'année dernière. La première fois donc j'ai commencé par l'été dernier. Par acheter une ou deux bricoles parce que j'avais des copines donc, qui achetaient des trucs sur Ali. Et puis bon, même s'il y a... Bon, voilà, je disais que depuis longtemps, il ne faut pas acheter de contrefaçon, de choses comme ça. Donc, je suis toujours là-dedans, hein, rassurez-vous, hein, contrefaçon, etc. Et puis, essayons d'acheter français. Et... Ouais, sauf que ce que j'achète en général là sur Ali, c'est des choses que je n'arrive pas à trouver. Donc en France, sur nos boutiques françaises, enfin dans nos boutiques françaises. Donc du coup, hop, je remets mes lunettes parce que j'y vois un petit peu mieux. Donc du coup, à force de regarder les super trucs qu'avaient les copines et puis que moi j'avais pas, à force de ci et de là, et bien, du coup je m'y suis mise. Et puis c'est vrai que maintenant j'achète. Voilà, un peu de temps en temps. En fait, ça me prend. Quand ça me prend, j'achète quelques bricoles tout en même temps. Et puis, pour essayer de faire en sorte que tout arrive dans une seule et même enveloppe. Là, vous voyez, j'ai fait plusieurs achats à peu près le même jour, je crois, quasi le même jour. Il me semble, hein. Voilà, je vous dis, je ne suis pas férue d'Ali, hein, donc les trucs, les astuces, les machins, j'arrive, hein, voilà, c'est encore compliqué, puis c'est vrai que je fouille pas trop, etc. Bref, donc là, du coup, comme je vous disais, quand je fais des achats, en général, je fais des achats groupés, j'essaie d'acheter la même journée, ou voilà, quasi plusieurs trucs la même journée, pour faire en sorte que tout arrive en même temps. Et là, effectivement, j'ai eu de la chance, tout est arrivé en même temps. Et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois, d'acheter des trucs et que ça arrive dans une seule et même enveloppe. Donc déjà, allez, je me dis du coup l'impact écologique, bon, même si voilà, ça m'embête un peu, mais je me dis c'est un peu amoindri, il y a qu'une enveloppe, qu'un machin, qu'un truc. Bon, alors après, voilà, après j'y crois qu'à moitié, je ne sais pas trop, enfin bref. Donc du coup, néanmoins, j'ai fait des achats donc sur Ali. Cet été, donc j'ai un ou deux trucs que j'ai dû classer déjà et que j'ai pas ressorti. Des choses comme ça, par exemple, pour faire un dies comme ça, pour faire des choses pour mettre mes rubans. Par exemple, quand je fais des happy mail, par exemple, pour pas citer mes happy mail, quand je fais des happy mail ou des cadeaux pour les copines ou pour les anniversaires ou quand j'envoie des petits trucs, j'aime bien envoyer des petites bricoles. Et là, du coup, quand je mets dans des petits paquets en cadeaux ou des rubans, des choses comme ça, j'avais rien pour... Je les mettais comme ça dans une pochette. Bon, je trouve que ça le fait plus quand même. Donc là, j'en ai mis deux, un recto et un au verso. Comme ça, déjà, c'est plus épais. Voilà, c'est plus épais et puis c'est plus qualitatif, quoi, c'est plus joli. Voilà. Donc j'ai pas le dies là sous la main parce que j'ai dû le ranger. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, j'essaie de ranger un peu ma scrap room. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il faudrait que j'enlève tout ce que j'ai de la scrap room dehors et que je rentre au fur et à mesure. Ça, c'est comment vous dire, c'est pas possible non plus. Et donc bon, en une journée, j'aurais même
pas le temps de le faire. Donc, puis je peux pas, je suis, voilà, c'est pas possible pour moi. Enfin bref, donc du coup, je disais quoi? Je disais que voilà, y en a un qui est plus petit, du coup, il me semble. Voilà, mais quand je l'aurai retrouvé, enfin quand je l'aurai pas retrouvé, parce que je sais où il est, mais quand je l'aurai ressorti, si j'ai d'autres dies à vous montrer, eh bien je vous montrerai avec. Là, c'était juste, voilà, parce que je l'avais là, j'avais la découpe devant, donc je la remets devant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer comme produit quand même? Donc, je vous dis, enfin, je viens de vous dire il y a 2 minutes, qu'en général, j'achetais des produits que je ne trouvais pas, sur nos boutiques, donc en France. D'accord? Donc, il peut y avoir des petites exceptions hein, quand même. Hein, voilà. Et j'essaie de faire très, très attention. Mais je ne connais pas tous les produits non plus, mais j'essaie de faire très très attention en ne prenant pas de copies ou de triche. Hein, vous savez, là, les copies, là, voilà, les copies. Voilà. Donc, s'il y en a, ne me disent pas, ah, Letty, t'as pris des trucs et des copies. Et là. Si j'en ai, c'est que je ne l'ai vraiment pas fait exprès. D'accord, les copains, les copines? Donc, soyez sympas. Vraiment, c'est quelque chose auquel je fais très 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 attention. Donc, si par malheur vous envoyez, voilà, c'est que je connaissais pas et puis du coup j'ai trouvé ça beau et je connaissais pas de qui ça venait et puis voilà, donc, hein, voilà, mais c'est bref. Allez, on commence par quoi? Donc ça c'est une jolie 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 enveloppe. Ça j'ai reçu il y a déjà un petit moment, je crois que c'était en juin. Et là-dedans, quand vous l'ouvrez, vous avez des choses mais magnifiques. Toute fine, alors si j'arrive à l'enlever, je vous le bascule comme ça parce que vous n'allez pas le voir. Si j'arrive à enlever, alors attends, ça, hop, je vais le pousser, ça aussi et ça aussi. Allez, je vous bascule ici, ce sera quand même plus sympa que vous puissiez voir. Donc, regardez ces choses très, 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 très fines. Mais alors, c'est une feuille de papier, mais c'est tellement fin. Alors, je ne sais pas combien ça peut être en grammes, en grammage, mais alors c'est du super, super, super fin. Je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir faire avec ça. Pour l'instant, donc je les ai reçus. J'ai encore pas rien fait avec parce que j'ai pas encore pris le temps. C'est vrai que je suis très, très, très fort, très, très fort occupée. Et voilà. Et donc, je prends pas le temps de tout faire ce que je veux. Mais un jour, j'y arriverai. Regardez cette magnifique feuille. Elle est superbe et elle fait, par exemple, celle-ci. Hop, j'essaie de prendre une règle. Celle-ci, par exemple, elle fait 13 centimètres et demi. Oups là, dans le bon sens. 13 centimètres et demi par pratiquement 8. Donc, vous voyez, elle fait 13 centimètres et demi par 8 de large. Donc, on est vraiment sur une très, très belle feuille. Il me reste encore 3-4 bricoles. Donc, il y a un très beau papillon. Alors, ne me demandez pas les prix parce que je n'ai pas du tout regardé ce que j'avais acheté. Hein, j'ai pas regardé ce que j'avais, voilà, ce que j'avais acheté tout ça. Parce qu'il y a, voilà, ça, il y a déjà quelques semaines, je pense. Ouais, je pense que c'était en mai ou juin hein, que j'ai acheté ça. Donc voilà, me demandez pas les prix. Si vraiment le truc vous intéresse et que, eh bien, dans ce cas-là, vous me faites soit un MP, soit un mail, et puis vous me demandez, j'irai regarder évidemment dans mes achats. Je crois qu'on retrouve après les prix dans mes achats, etc. Hein? Voilà, donc regardez ce joli lot que j'ai eu. Et alors là, attention, hein, je vous précise bien, ce n'est pas des partenariats, ça. Hein? Ce sont des achats hein, que j'ai faits. Hein. Donc voilà, donc il n'y a pas de partenariat là-dedans. Dans aucun des trucs que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a de partenariat. Donc il y a quoi? Il y a combien? Il y a un, je n'ai pas compté. Deux, trois, quatre. Il y a cinq papillons. Et un, deux, trois. Ben, il y a cinq feuilles. Voilà, cinq papillons, cinq feuilles. Il y a 10 articles. 10 articles dans ce petit. Dans ce petit chose et combien j'ai payé, je ne sais pas. Mais voilà, si vraiment vous êtes intéressé et que vous voulez que je vous le retrouve, probablement que je vais pouvoir vous le retrouver. Je dis probablement, hein, j'en suis même pas sûre. Oh si, ça doit pouvoir se faire. Mais je suis pas, voilà, je suis pas très très habituée. Oula.
Il y en a un qui ne veut pas aller au fond. Et je ne voudrais pas l'abîmer, ce serait dommage. Voilà. Et il y a une petite fente là pour hop, refermer notre petite enveloppe. C'est vraiment très joli. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'avais pris ça, pareil. Je crois que j'ai reçu ça en même temps que ça. Et ça. Donc j'avais reçu ces quatre trucs. Je crois que j'avais reçu ça en même temps. Ouais, il me semble que j'avais dû acheter ça aussi en même temps. Voilà, c'est toutes ces choses-là, je les ai achetées en même temps. Donc, je continue. Donc là, c'est un lot d'étiquettes. Donc, regardez, des petites étiquettes autocollantes. Hein. Donc, c'est des petits stickers fins, autocollants, de ce style-là. Donc, ça veut dire que si vous voulez arriver à faire un truc comme ça, vous pouvez tout coller les uns sur les autres, style... comment ça s'appelle non, pas un mood board, un... Ah, ça y est, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. Je retrouverai le nom. Un truc board, je ne sais plus comment on dit là, quand on met des papiers, on imbrique les uns les autres. Voilà. Donc ça, vous avez tout le lot donc derrière d'étiquettes. Hein, vous avez tout ça. Et donc, voilà, ça fait des petites étiquettes. Super, super jolies. Ça fait super sympa, les petites étiquettes comme ça. Et vous en avez ben, plein, hein, en fait. Hein. Voilà. Donc là, moi, ça, en fait, je m'en sers quand je fais des petits collages ou du art journal ou voilà. Ou voilà, ou quand je fais des petits collages sans prise de tête, là, pour quand j'ai envie de me distraire 5 minutes parce que, voilà, j'ai eu une journée compliquée ou parce que je suis fatiguée ou... Mais que j'ai envie de faire quelque chose parce que, évidemment... Il y a des jours où je suis super fatiguée, mais j'ai quand même envie de faire une bricole. Mais bon, je vois que je ne peux pas faire grand-chose, donc du coup, je fais ça quand même. Voilà. Alors, le prix pareil, hein, j'en sais rien. Si vous voulez que je vous les donne, après, j'essaierai de vous les trouver. Ça, c'était un petit lot. Pareil, d'autocollants. Alors, c'est vrai que je prends assez souvent des autocollants, parce que c'est des choses que je n'ai pas. Donc, je trouve que c'est tellement joli de prendre des comme ça des autocollants. Regardez ça, c'est vintage à souhait. C'est mais magnifique. Regardez-moi ça. Voilà. Bon, est-ce que je vais tous les mettre? J'en sais rien. Il y a des grandes étiquettes. Il y a des ciseaux. Il y en a pas mal. Il y a des grandes, voilà, des grandes étiquettes, des personnages, des papillons. Donc, évidemment, j'adore les papillons, vous le savez. Encore des ciseaux. Ah non, ça c'est... Oh si, c'est des ciseaux. Si, si, c'est des ciseaux. Des grandes étiquettes, des grandes étiquettes, des grandes étiquettes, des grandes étiquettes. Voilà, donc des personnages, des animaux, un cerf, une poule. Voilà, il y a encore un cerf. Bon, enfin, bref, il y en a quand même. Je sais... Oh, celui-là, vous voyez. Et je l'adore. Celui-là, je l'adore. Il y en a, je ne sais pas, 20, 25, 30. Ouais, à peu près. 20, 25, 30, j'en sais rien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pareil. Ce sont des lots donc d'autocollants noirs et blancs. Là, c'est du vintage. C'est des choses que je ne trouve pas, pas forcément dans les boutiques françaises. Ou alors, je ne fouille pas assez, j'en sais rien. Bon, c'est vrai que je ne passe pas mon temps à fouiller. Mais bon. Donc, je vais mettre ça dessus. Hop, je le remettrai après dans la petite enveloppe qui est trop, trop belle. Alors, je vous donnerai une astuce, mais pas là, parce que j'aurai pas le temps. Mais je vous donnerai une astuce après par rapport aux enveloppes que je reçois, enfin, aux trucs que je reçois. Je vous montrerai. Il faut que je le note, parce qu'à chaque fois, je ne note pas forcément. Il faut que je note et je vous montrerai. Alors, ça après, c'est un lot. De petites étiquettes jolies à souhait, mais alors vraiment magnifiques. Regardez ces beaux designs, c'est trop trop beau. Et là, c'est pareil, c'est tout tout fin. Et nous avons des petits arbres, des petits cerfs, des petites bouteilles comme ça, avec des sapins dedans. Il y a le petit ours. Donc à chaque fois, il y en a deux. Il y en a deux du même, hein, deux identiques, hein, voilà. Donc, alors après, je ne sais pas combien il y en a. J'ai dû m'en servir déjà. Il y a des petits pingouins. Ils sont tout mignons. Il y a des cerfs, donc. Ils sont adorables. Voilà, les têtes de cerfs. Et il y a du renard aussi, voilà. Donc, j'ai dû... Ah, mais alors, j'ai pas la... J'ai pas ça. Non, ça, j'ai pas. Alors, je ne sais plus, c'est par 6... Non, il n'y a pas. Il n'y a que ça, en fait.
il n'y a que ça comme étiquette. Ça, ça n'existe pas dedans. La petite couronne de fleurs, ça n'existe pas. Bon, voilà. Donc ça, déjà, voilà ce que j'ai dans ce petit sachet. Vraiment adorable. C'est vraiment mes super, super mimi. Donc voilà ce petit sachet. Donc ça, c'est pareil. C'est des petits achats. Alors, bah pareil, je ne sais pas le prix, mais bon. Si vraiment, il faut que je vous le retrouve, je vous le retrouverai. Hein, Hop, alors, attendez, que je fasse pas de bêtises. Ça, hop, je le tourne. Et ça, on va le mettre comme ça. Ça sera plus simple. Tchouk, voilà. Hop, allez, celui-ci, au moins, il est rerangé. Donc, ça, je vous ai dit... Ah non, puis j'avais eu ça en même temps. Alors, ça, comment vous dire? Quand je fais donc mes petites breloques pour mes albums, pour des petits cadeaux que je fais, tout ça, je n'avais pas donc de jolies, jolies breloques comme celle-ci. Et ça, donc ma copine Gaga de l'Asso, donc Gaëlle, qui elle en avait déjà, s'en était déjà procurée, bah, je pense sur Ali, hein, c'est vrai que je ne lui ai pas posé la question, et elle en avait mais plein, ils étaient de toute beauté. Et un jour en fouillant, je suis tombée sur ces lots. Donc alors il y a un lot qui est blanc, donc avec du blanc, hein. Alors, hop, j'essaie de vous le rapprocher, tac, pour que vous puissiez voir, voilà, regardez-moi ça, c'est sublime, il y a vraiment des petites, petites pépites, regardez-moi toutes ces petites pépites, ils sont vraiment sublimes, j'adore, donc voilà, donc alors combien ça peut valoir ces petites choses, je ne sais pas, bah, faudra que je regarde aussi si quelqu'un est intéressé. Ah, j'aurais pu les mettre dans ma petite boîte, du coup. Je voulais les mettre dans... J'ai sorti une petite boîte de chez Action. Et je voulais les mettre dedans, du coup. Eh bien, je vais le faire. Je vais en profiter. Voilà. Donc là, c'est mon petit lot blanc. Vous savez, ça, c'est les petites boîtes qu'on achète par 3 ou 4. Je ne sais plus. Il y en a 3 ou 4 dans le lot. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Alors, ensuite, celui-là. Alors, je crois qu'il était plus cher, celui-là. Mais je l'avais adoré. Ce sont les arcs-en-ciel. Et comment vous dire, perso, les arcs-en-ciel, j'adore. Donc, alors, il y en a moins. Effectivement, il y en a moins. Mais ils sont quand même superbes. Voilà. Alors, je ne sais pas. C'est pas facile de... Il faudrait que j'arrive à trouver le système pour mettre la caméra au-dessus de moi. Il va falloir que j'achète un pied ou quelque chose. Voilà. C'est vrai qu'il va falloir que je change un peu ma... façon de faire pour quelques vidéos. Voilà, regardez, c'est quand même magnifique. Voilà. Donc ça, ah ben pareil, hein, je vais les mettre là, dans cette petite cacase. Voilà, je suis trop contente, ouais, j'adore, c'est trop mignon. Ensuite, j'ai acheté un lot, on va se mettre plus près, de noir. Waouh, comment vous dire, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Alors, il a l'air plus grand. Ouais, il est plus grand que les arcs-en-ciel. Mais je pense que c'est du même style que le blanc et puis le vert, après, que je vais vous montrer. Au niveau du nombre de... Au niveau du nombre de petites breloques. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Sauf que... Ah, bah oui. Le problème, c'est que quand on rapproche, voilà ce que ça fait. Bon, en tous les cas, voilà, moi je trouve qu'ils sont... Alors, la plupart, donc, c'est comme ça, en métal doré derrière. La plupart, voilà, il n'y a rien hein, derrière. Hein. C'est pas recto verso. Celui-là, il a un petit peu travers, à mon avis. Et à mon avis, il a eu un petit sous-saille. Voilà. Il n'y a que ça, évidemment, qui... je vais pas trouver le nom. Un petit bulot, ouais, c'est un bulot. Ouais, je voulais dire un petit bulot. Donc voilà. Donc regardez, ils sont vraiment magnifiques. Regardez le petit chat. Comment qu'il est beau le petit chat. Regardez-moi ça. Regardez le chat. Regardez la coquille. Regardez l'arête. Elle est chouette. Ah, j'adore. C'est vraiment sympa. Le poisson. Regardez le poisson. Et ça, là, la coquille Saint-Jacques, elle est bombée.
Elle est, c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est vraiment chouette, chouette, chouette. Moi, j'aime, voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et sincèrement, ben, je n'en avais jamais acheté. Voilà. Ou alors, si j'en avais acheté à l'unité en petite breloque quand je suis allée à un salon, là, à un salon à Saint-Savinien, là, pas loin de chez nous, qui a chaque année, là, j'en avais déjà acheté, mais pas autant. Et puis, à mon avis, c'était pas le même prix, puisque c'est à l'unité. Donc, évidemment, la personne qui vend ça, bah, il faut bien qu'elle gagne sa vie. Donc, automatiquement, bah, c'est plus cher. Voilà. Bon, après, c'est peut-être pas la même qualité. Peut-être qu'elle prend des choses qui sont de meilleure qualité. J'en sais rien. Enfin, bref. Donc, toc. Il faudrait que je mette quelque chose de plus rigide dessous. Letty, trouve un truc rigide. Bah, ou plusieurs feuilles. Voilà, on va mettre plusieurs feuilles dessous. Regardez-moi ça. Voilà. Regardez comment qu'ils sont chouettes. Hop, là, la petite sirène, le petit cactus, donc à nouveau les petits coquillages, les petites coquilles Saint-Jacques. Voilà, il y a une croix. Bon, après, voilà. Ah, le kiwi, j'adore aussi. Le petit citron, voilà. Bon, je les aime presque tous. Bon, là, vous voyez, il y a deux identiques, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre, ouais. Là, il y a un petit lapin, tout mignon. Tout mimi, le petit lapin. Là, il y a un petit minou, on dirait Maroro, sous les étoiles. Maroro sous les étoiles. Bon, bientôt, vous allez la revoir, la petite Roro, parce que Esteban, mon fils, va repartir avec son chat chez lui. Et je pense que Roquette va réinvestir la maison. Parce que c'est vrai qu'elle avait un petit peu désinvesti la maison. Elle vient un peu dans ma scrap room, elle vient me voir, elle vient dans notre chambre la nuit, etc. Mais bon... Voilà, c'était un peu compliqué quand même. Là, le mois a été un peu compliqué. Alors, les derniers... Alors, ça, c'était des achats. Donc, je vous ai dit que j'avais fait il y a quelques mois. Les derniers achats... Non, entre les deux, j'ai eu ça. Je vais y arriver, oui. Entre les deux, j'ai eu ça. Allez, je vous montre rapidement. Parce que ce sont des petits livrets de stickers. Donc, des petits livrets de stickers. Par contre, alors... J'ai pris parce qu'ils sont magnifiques, évidemment. Et surtout, hop, je vais les mettre un peu plus comme ça. Et surtout, parce que j'ai adoré ces petits livrets comme ça. C'est vraiment, mais très, très beau. Donc, je vous en montre quelques-uns. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que sinon, on en aurait pour deux plombes. Mais en gros, donc celui-ci, il est... nature, hein, avec des oiseaux, des fleurs, etc. Donc des choses, voilà, que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un avec fleurs et oiseaux. Voilà. Tac. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc ça, ce sont des autocollants. Ils sont ben, vraiment, mais d'une magnificence extrême. Ils sont tellement, tellement beau. Voilà. Alors, il y a après, donc, des étiquettes à la fin. Tac, avec des numéros. Et donc, c'est vrai que j'adore quand il y a des numéros sur les étiquettes, etc. Et là, il y a des papillons. Évidemment, des papillons. Je n'aurais pas pu ne pas prendre avec des papillons. Donc, il y a celle-là. Il y a celle-là. Ce ne sont pas les mêmes, hein, chaque fois. Hein. Ah, je vais pas y arriver. Celle-là. Regardez-moi cette beauté. Et puis, alors, ouais, ça, je peux peut-être vous montrer comment j'ai un peu utilisé ce genre d'étiquette, enfin d'autocollant, parce que j'ai commencé à m'en servir pour faire des petits embellissements. Qu'est-ce que j'en ai fait de mes embellissements? Faut que je les retrouve. Oup, 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 Letty. Ah là, 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 j'en ai. Alors. Je ne vous les montre pas tous parce que bah, y a des petits cadeaux dedans. Donc, je ne veux pas tout montrer. Hein. Je ne veux pas tout montrer. Voilà. Mais en gros, allez, je vous en montre deux ou trois. Donc, ça, ce sont des étiquettes que j'ai prises donc, dans ces petits albums. Ça, c'est une étiquette avec bah, des olives, hein, une branche d'olivier. Là, il y a une étiquette avec des chiffres que j'ai rajoutés. Et après, donc j'avais mis du papier et puis j'avais fait donc un fond. Ça, c'est des fonds qui ont été faits avec
je sais pas, la gel presse ou j'en sais rien, je sais plus. Donc j'ai tellement de fond d'avance que après quand je veux faire, donc là il faut que je refasse. Ah bah si, je l'ai fait le petit trou. J'ai fait le petit trou pour mettre un petit truc. Donc voilà. Donc ça après, ce genre donc d'autocollant. Donc après c'est pas forcément cela, parce que j'en ai d'autres, je vais vous montrer, mais ce genre d'autocollant moi j'utilise ensuite pour faire bah, soit des petits tags comme ça, ou alors allez je vous en montre un autre, allez je vous en montre un autre avec, pas tous hein, parce que c'est des cadeaux hein. Donc celui-ci donc qui a été fait avec un joli papillon, dessous j'ai mis du papier où il y a donc de souvenirs, ouais, la tête d'une femme. Je ne sais pas s'il va faire le focus, mon truc. Donc, voilà. Donc, là, j'ai utilisé donc des petits dies que j'ai. Ben je ne sais pas si ce n'est pas des dies d'action, ça. Voilà. Donc, ça, c'est des petits dies d'action, je crois. Et, allez, je vous en montre un dernier. Mais après, j'arrête parce que sinon, je vais tout vous montrer. Et ça, donc, c'est encore très, très, très différent. Donc, pareil, toujours un fond. Après, donc, des petites et à chaque fois je perds le nom, crotte de boudin, des trucs pour des intercalaires, donc ça voilà, je les utilise énormément ces quatre là, je crois que je les avais achetés chez Ali par contre ceux-là, et donc là avec un joli autocollant, pareil, que je prends donc dans mes petits carnets. Bon, là, c'était pas prévu que je vous montre ça, mais bon, du coup, allez, je vous ai vu, je vous ai entendu derrière votre caméra à dire « Oh, Letty, tu nous montres comment tu les utilises !» Donc, voilà. Alors, vite fait, je compte combien il y en a parce que je ne me rappelle plus du tout. 1, 2, alors c'est peut-être noté. Ouais, mais tout est en chinois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, il y en a 20. Oh, j'avais même pas compté. Il y a 20 planches d'étiquettes quand même. Hein. Il y a 20 planches d'étiquettes, les gars. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez... Enfin, les gars. Les amis. Les gars. Regardez-moi ça. C'est une tuerie. Bon, là, en plus, on voit celui de derrière un peu, mais bon. Ah, il y a un animal, un poisson. Voilà. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième que j'avais pris, alors, il est totalement différent. Il y a plein de choses très, très différentes. Il y a ça. Tac. Ce genre de choses. Voilà. Il y a, dans le style, hein, pour vous donner le style, il y a ce style-là. Il est divers celui-là, il y a plein de diversifiés, il y a plein de choses un peu différentes. Regardez, il y a un petit mouton avec son petit nœud, avec son petit nœud. Il est moins spécialisé celui-là dans un thème. Il y a bah, toujours mes fameux papillons, hein. Il y a des étiquettes, il y a des fleurs, il y a vraiment plein de choses. Alors j'essaie, oh regardez ça, ah ouais, j'avais pris aussi pour ça. Des beaux papillons, des beaux animaux, des champignons, voilà. Donc, vraiment des choses que j'aime beaucoup. Et voilà, regardez le joli renard qu'il y a en bas. Hop, regardez-moi ce petit renard. Il est trop, trop beau. Non, ils sont vraiment magnifiques. Et là, les petits albums. Alors, je ne me rappelle pas du prix, mais je crois qu'on était quand même dans les au moins 6 euros. Comme ça, je ne me rappelle pas du prix, mais je dirais au moins 6 euros. Alors après, j'ai un autre, mais très, très différent. Alors, il me semble que j'avais pris les quatre de cette boutique. Apparemment, il s'appelle Infill Me. Donc, I-N-F-2-E-L et M-E. Infill Me. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les deux que je viens de vous présenter. Les deux comme ça. Et là, après, il y avait ces deux-là. Il me semble que c'était la même sur la même page, sur la même boutique. Hein. Alors, je vous... Ah ouais, voilà. Celui-ci, c'est plus un peu... à la fin, il y a deux petites pages d'étiquette pin-up. Vintage, etc. Et... Qu'est-ce que j'ai fait de ma feuille? Hop, elle est là.
Si je l'abîme, je peux en abîmer plusieurs de feuilles. Voilà. Donc là, il y a un peu vintage. Il y a toujours un peu étiquette, champignons, fleurs, etc. Comment vous dire, j'en ai pour un moment hein, avec ces avec ces petites étiquettes. Enfin, avec ces petits stickers. J'en ai quand même pour un moment. Mais j'adore. J'adore faire des petites choses comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est tellement distrayant de faire des petites choses, des petits machins. Ah oui, puis je voulais me lancer sur TikTok. Essayer de faire comme... Il y a plein de filles qui font ça, qui montrent des petites créations très rapides sur des petits carnets tous les jours. Et c'est bon, après, tous les jours, non, je n'aurais peut-être pas le temps. Mais bon, mais c'est vrai que j'ai ouais, j'ai bien envie de m'essayer à TikTok. Je ne sais pas, ça fait plusieurs jours que je le dis, que j'y pense. Voilà. Donc, je vous montre rapidement le dernier, puis après, je vous montre encore un truc. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je referai une autre vidéo parce que là, ça prend tellement de temps de vous montrer. Donc là, regardez ce beau papillon bleu. Il est extraordinaire. Et un oiseau, une espèce de mouette ou un je sais pas quoi là, un style de mouette. Et là, c'est plus nature, animaux, papillons. Voilà. Alors, après, il y a des choses... un peu vite. Alors ça me fait penser à une collection. Alors là, vous allez tout de suite me le dire, j'en suis sûre. Une collection Stamperia, non? Ça doit être Stamperia, qui avait sorti une collection avec des choses comme ça, là, des animaux polaires, des loups, des choses comme ça. Alors j'espère que ce n'est pas de la copie. J'espère, parce que ça, c'est, je m'en suis aperçue l'autre jour en vraiment le feuilletant. Bon, je pense pas, hein, mais bon, j'espère. Hein. Regardez ça, c'est magnifique. Non, mais attends, on peut faire aussi des petits, comme des timbres avec ce genre de choses-là. Oh, c'est mais magnifique. Je pense que je vais, voilà, je vais peut-être vous montrer une ou deux créations que je vais faire avec ça. Probablement, je vais essayer d'y penser et de vous montrer. Donc voilà, donc pour ces petits albums, vraiment très 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 mignons. Alors, je dirais que j'ai au moins payé ça dans les 6 euros, enfin, je sais pas, peut-être 6 euros pièce, j'en sais rien. À vérifier, hein, si vous voulez vraiment que je vous cherche les prix, ou peut-être que ça a diminué, hein, des fois je vois qu'il y a des trucs qui diminuent, hein, donc peut-être que ça a diminué, hein. Et le dernier que je vous montre pour aujourd'hui, le reste, je ferai une autre vidéo parce que ça va prendre trop de temps. Donc, le reste, alors ça, le dernier produit, j'avais mis le prix. Voilà. Mais il me semble que depuis, j'avais vu qu'il avait baissé. Alors, je ne sais pas si c'est une astuce, ça, pour nous faire regretter d'avoir acheté. mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, moi, je l'ai acheté 7,92 € ce pack-là, ce truc. Et il me semble que 2 ou 3 semaines après, j'avais vu qu'il était dans les 5 € et des bananes. Bon, c'est pas grave. Après, bon, après, je l'ai acheté. Bon, maintenant, je ferai peut-être plus attention. Alors, là, j'ai acheté déjà ça parce que c'était bien emballé. C'était joli, il y avait une belle bois-boîte. Une belle bois-boîte, donc vous voyez, hein, c'est bien chinois. Hein, donc, hop là, et je fais tout tomber. Et là, à l'intérieur, donc j'avais vu qu'il y avait... Alors, je ne sais plus si c'était comme ça présenté, je ne crois pas. Hein, mais voilà, je ne sais plus comment c'était présenté. Il y avait ça, et puis il y avait ça de toute façon. Donc, c'est un petit peu différent comme album de stickers que ceux-là. Parce que là, donc c'est quelque chose déjà qui s'ouvre comme ça par devant. Hop là, je suis au dos. Comme ça. Et voilà. Et après, ce sont des petits autocollants comme ça sur... alors, c'est pas transparent, ceux-là. Ils sont teintés. Hein, ils sont pas transparents. Et après, il faut vraiment... Vous voyez, j'ai commencé à découper, mais bon, c'était mon premier, c'est pas facile. Il faut les découper par soi-même. Et donc, avec ce petit chose-là, et ce petit chose-là, eh bien, c'est un stylo. En fait, on pense que c'est un stylo, mais non. C'est un truc pour découper. Vous avez donc, là, une petite pointe, comme un petit cutter.
une petite pointe pointue, enfin une petite pointe, bah oui, c'est pointu, hein. Voilà. Et du coup, c'est avec ça qu'on découpe. Alors, alors moi, vu que j'ai pas encore l'habitude de me servir de ça, j'avais donc découpé. Ah, vous savez, moi, je me fais des trucs. J'avais découpé, donc ça, c'est la petite astuce du jour. J'avais découpé donc un morceau de plaque de découpe de chez Action. Et du coup, quand je découpe ça, parce que j'ai vu que là, j'étais allée un peu fort, parce que quand même, il faut y aller hein, pour découper. Enfin, c'est pas évident au début, vous allez voir que voilà. Et donc, je me suis découpé ça pour mettre dessous. Et pour vraiment découper, eh ben, sans faire de kata derrière. Parce que si vous découpez directement sur l'album et que vous y allez trop fort, eh ben, vous allez tout découper derrière. Ce serait un peu dommage quand même. Donc voilà, moi, la petite astuce que j'ai trouvée, c'est ça. Je mets donc comme ça dessous. Et soit, donc j'y vais, alors soit j'y vais comme ça, alors on va essayer, tac, soit j'y vais comme ça, alors je pense qu'il faut en plus s'habituer à manier le truc, et là dans ce cas-là, est-ce que j'ai fait, ouais, j'ai fait assez fort, et j'arrive à découper, vous voyez. Voilà, mais bon, c'est aussi parce que je suis rassurée, parce que je sais que derrière, je vais pas forcément abîmer ma feuille, voilà, déjà, je suis rassurée, et puis après, à force d'en découper avec ça, eh bien, on va vraiment s'habituer. Si vous avez vraiment peur d'y arriver avec ça, eh bien, soit vous détachez votre page là, et puis après, vous découpez au ciseau, éventuellement, puis après vous enlevez la petite, vous découpez tout, donc comme ça là, du coup ça vous fera tout enlever, et après vous enlevez votre autocollant, ou soit vous avez éventuellement l'autre outil que j'ai, qui est comme ça là, vous savez les outils comme ça au doigt là, alors celui qui, ça c'est celui qui tourne, voilà, là c'est la petite, le petit cutter qui tourne, ou soit le rigide, mais là, la mine est super grande, c'est super dangereux, je vais faire un meurtre. Voilà, donc avec ça, j'ai pas essayé encore, hein, avec ça, mais pourquoi pas. Moi, voilà, la technique que j'ai trouvée, c'est je me suis fait donc une petite planche, parce qu'elle n'est pas trop grande, hein, mais ça suffit, puisque les autocollants ne sont pas super immenses, hein, et avec cette planche, j'ai pas besoin de détacher mes pages, comme ça je les garde bien dans mon petit album, je trouve que c'est trop trop beau, et après donc je peux découper comme je l'ai fait. Allez, je vous montre rapidement ce qu'il y a, et puis je vais finir sur cette, sur ce produit là. Bon, ça j'aime un petit peu moins, enfin comment vous dire, j'aime pas, mais bon c'est pas grave, je pense que ça ira dans la, dans des cadeaux, vu que j'aime pas, ben, ça ira dans des cadeaux pour quelqu'un qui aime. La fille qui se débarrasse des trucs qu'elle aime pas. Bah oui, mais si moi je m'en sers pas, c'est dommage de les garder. Autant faire plaisir à quelqu'un, non, vous croyez pas? Regardez. Regardez quand même, c'est super mimi quand même. Hein. Je, voilà. Alors, je sais pas encore combien il y a de feuilles. Donc, le truc, il fait 12 cm. 12 cm par 14,5. Je suis en train de le lire derrière, au dos. Et il y a, eh ben, je sais pas combien il y a de pages. Mais à mon avis, il y en a un bon paquet. Il y en a un super bon paquet. Donc vraiment, il y a de tout. C'est ça que j'aime, c'est de la variété. C'est vraiment varié. Voilà, j'aime beaucoup ces lots d'étiquettes variées. Bah, vous voyez, là, j'en ai enlevé un, hein, je ne sais même plus ce que c'était. Je ne sais plus. Ouais, je l'avais bien découpé là. Waouh, j'avais bien fait. Ouh, bravo Letty. Des fois, tu fais des trucs. Waouh. Alors, donc, je vais un peu plus loin. Il y a des fleurs. Voilà. Ensuite, un peu plus loin, il y a des champipi. Des champipi. Bon, ils ne sont pas tous bons à manger, hein, je pense. Hein, faut faire gaffe. Hein, il doit y avoir du venimeux. Hein. Il y a aussi des chiffres, des mots, des phrases de temps en temps. Alors, évidemment... C'est pas en français, hein, non, que nenni, c'est en anglais, hein, mais bon, ah non, quoique, tout n'est pas en anglais, là, il y a Faber, non, Farben Fabriken
Off, donc ça, c'est de l'allemand, je pense. Farben, si je me rappelle bien. Celui-là. Mais je voyais, je ne me rappelais pas de tous en plus. Il n'y a pas longtemps que je l'ai, celui-là, du coup. Donc là, voilà, c'est là, c'est du feuillage. Très, très sympa. Et là, pareil, hein, après, il y a un peu plus automnal, je trouve, avec un petit zosio, trop beau. Regardez, des feuilles de ginkgo en haut. Une noix, un gland. Pardon, pas une noix, un gland. Une noix, une pomme de pin. Voilà, donc c'est très, très sympatoche. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Regardez, c'est trop mimi. Non, mais attends, quoi. C'est trop... Oh là, les papillons. Oh, j'adore. Non, mais vraiment, je kiffe. Je kiffe cet album. Moi, je crois qu'il était un petit peu cher. Ah ben oui, le prix, il est là. Ouais, c'était un peu cher. 8 euros, plus après, je ne sais pas s'il n'y avait pas des frais de port en plus, mais bon. Il y en a plein, hein. Attends, après. Waouh, regardez, vintage à la fin. Là, c'est pareil, j'en ai découpé, là, deux en vintage, je ne sais plus ce que c'est. Mais voilà, ils sont trop, trop beaux. Bon, bah du coup, je m'arrête là sur... Puis là, à la fin, c'est toujours pin-up un peu. Un peu comme celui de... Comme celui-là, là, avec les trucs pin-up à la fin. Alors, attends, c'est pas un peu le même style? Bon, ça serait dommage que ce soit les mêmes tampons, les mêmes stickers. Non, c'est pas les mêmes. Heureusement, hein. C'est peut-être la même boutique, hein, après, hein, j'ai pas regardé. C'est vrai que je regarde pas et j'ai pas de partenariat, on m'offre pas de partenariat sur ce genre de boutique, c'est dommage. J'adore. Donc, s'il y a des boutiques qui arrivent sur ma vidéo et qui veulent me faire un partenariat, ce genre de choses, waouh, je kiffe. Je peux demander, je peux choisir pour mes partenariats. Ouais, je vais choisir. Ouais, mais je suis trop, trop comment, trop, mais comme on dit, trop. Ah, je veux trop ça, quoi. Enfin, je suis trop. Ah, je sais plus comment on dit. Enfin, bref. Donc, je veux ça, ce genre de choses. Moi, si vous pouvez me faire des partenariats avec ça. Comment vous dire, pas de soucis, ou avec ça aussi, pas de soucis, voilà, puis après, il y a encore d'autres petites bricoles, mais sincèrement, la vidéo va être trop longue, et comme je sais que vous ne regardez pas beaucoup des vidéos, enfin bon, hein, voilà, bref, je ne vais pas vous jeter la pierre, hein, non plus, on n'a pas le temps, et puis, bah, comme ça blablate, et bien on y va, on appuie, puis paf, on arrive à la fin. Ah, ben, il y avait le petit concours aujourd'hui avec le petit jeu. Eh ben non, pas aujourd'hui. Il n'y a pas de petit jeu. Parce que je suis à la ramasse sur mes envois. Voilà. Donc, il n'y a pas de petit jeu aujourd'hui. Il n'y aura rien à gagner. Malheureusement pour vous. Je suis désolée, mais il n'y a rien à gagner. La fille pas sympa, tu sais, elle arrive à la fin. Elle dit, ouais, mais il y aura un jeu. Eh ben non, il n'y a pas de jeu. Non, mais... Allez, sérieusement, faut que je revienne sérieuse parce que vous allez dire, mais qu'elle est complètement jetée, cette Letty. Alors, d'un autre côté, ça me rassure un peu parce qu'il y en a, il y a quelques personnes qui me disent, oh, allez, tu nous as fait rire, ou bon, ouf. Parce que quand on est comme moi, qu'on aime bien rire et qu'on fait des vidéos et si on tombe sur des personnes qui n'aime pas, bah, tu me diras, elle serait pas là, elle serait pas abonnée, puis elle regarderait pas. Bon, enfin, bref. Allez, Zou, c'est terminé. Moi, je trouve que c'était un super haul Ali. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je sais pas comment... Du coup, c'est la première fois que je vous montre un peu mes achats vraiment Ali. Alors, je sais pas du tout comment je peux intituler le truc. Est-ce que c'est haul Ali? Je sais pas. Est-ce qu'on mélange toutes les marques? Parce que Ali... On a plein de boutiques, donc on mélange tout. J'en sais rien. Je pense que ça va être ça. All Ali, j'en sais rien. Stickers, voilà. Enfin, bref. J'en sais rien. Allez. Toc, toc, toc. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Je vous remercie. Gratitude à vous d'être là. Et de regarder jusqu'au bout. Et de prendre du plaisir, du coup, à regarder. Voilà. Et je reviens très, très vite vous voir. Parce que j'ai encore plein de vidéos à vous montrer. Et là, attention, je note maintenant. Dès qu'une quelque chose me passe par la tête, je note. Parce qu'il y a tellement de choses qui passent. Whoop, et whoop, je note pas, j'oublie, c'est la cata. Et après, je me dis, ah, mais qu'est-ce que je peux leur faire? J'ai pas d'idée.
Non, mais attends, la fille, elle en a plein d'idées pourtant. Mais elle n'a pas super confiance en elle et elle se dit, ah, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que... Ouais, parce que j'ai remarqué quand même, que quand c'est moi qui fais un truc, une création, un truc, vous ne regardez pas forcément beaucoup la vidéo, hein. Vous préférez les hauls, hein. Bon, je vous comprends. Ce que je fais, ce n'est pas extraordinaire. Je conçois. Mais quand même, ça me ferait plaisir que vous regardiez un peu ce que je fais aussi de temps en temps. Allez, pouce, donc like, abonnez-vous surtout, la cloche, hein, n'oubliez pas la petite cloche, les commentaires et les pubs. Regardez les pubs et allez regarder mes vidéos précédentes où il n'y a pas beaucoup de vues. Allez, allez, allez-y, allez-y, allez-y. Prenez du plaisir. Allez regarder les vidéos. Marrez-vous. Voilà. Enfin, bon, si je peux vous faire marrer, mais bon. Non, pas forcément. Bon, allez. Gros bisous en tous les cas, les amis. Je vous adore. Je kiffe. C'est vrai que ça me fait ma petite bouffée de chaleur. Hein. Bouffée de chaleur. Non, la fille, elle est en monoménopause. En préménopause, elle pense qu'elle s'est bouffée de chaleur. Ça me fait des petites... des petits moments sympas de ma journée ou quand je peux. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où je peux pas venir vous voir, mais quand je peux, voilà, ça me fait beaucoup beaucoup de bien. En tous les cas, c'est ma petite thérapie à moi aussi. Enfin, mes petites bouffées de chaleur. Bon allez, excusez-moi. Puis je vais pas couper, hein. De toute façon, vous me connaissez, je vais pas couper. Alors peut-être qu'un jour j'arriverai à monter, couper, machin. Mais après, ce sera pas rigolo. Les bêtises que je dirai seront que pour moi. C'est pas rigolo. Je veux partager moi. Allez, à ciao les copains. À ciao les copines. J'espère que vous allez super bien en tous les cas. Que vous prenez soin de vous. Que la rentrée s'est bien passée ce matin pour vos petits loulous. Moi, c'est vrai que j'ai des grands loulous maintenant. Donc, ils font plus de rentrée maintenant. Ma grande, elle fait plus de rentrée. Puis mon petit loup, il a 21 ans. Hein. Donc, il va aller voilà, faire ses cours. Et puis, voilà. Bref. Donc, j'espère que tout s'est bien passé pour vos petits loulous. Je leur envoie plein d'amour à vos petits loulous. J'adore les petits loulous, moi aussi. Donc, voilà, je leur envoie plein, plein, plein d'amour et je leur souhaite une très, très, très belle année. Et puis, bah, aux parents aussi, évidemment. Hein. Allez, puis bonne reprise pour ceux qui ont repris. Puis, bonnes vacances pour les quelques personnes que je connais qui partent en vacances. Profitez bien. Allez, je vous kiss. Je vous kiss, ouais, je vous kiss. Je vous kiffe aussi. Je vous kiss et je vous fais surtout plein de gros bisous. Allez, à ciao les copains. À ciao les copines.